Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 27e épisode de The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D Master Quest. Et oui, c'est encore traîné avant la suite. Comme toujours, il va falloir que je trouve une solution à ça. Donc, comme vous pouvez le constater, déjà, changement d'emplacement, je me retrouve effectivement à l'endroit où je fais mes lives, et c'est beaucoup mieux. J'ai réussi à trouver la solution, et c'est beaucoup mieux que là où j'étais au début. C'est mieux, c'est plus sympa, je trouve. En plus, on a la petite figurine de Link, c'est cool. Bon, alors on se retrouve pour ce 27e épisode. Petit résumé de l'épisode d'avant. On avait fait la quête de l'épée Bigoron essentiellement. On avait bien avancé, c'était très bien. Et là, c'est à nouveau un épisode annexe. On va s'attaquer à une quête que j'aurais pas vraiment aimé faire maintenant, mais de toute façon, il fallait bien que je me lance tôt ou tard pour la faire. C'est la quête de la quatrième bouteille. Alors, j'ai pas du tout checké de mon côté où se trouvent les spectres déjà. Hein. Alors, je pense que je vais essayer de voir ce que je vais faire. Il y aura peut-être des ellipses. On verra. Mais de toute façon, on est sur de l'annexe, car il faut que j'avance l'annexe. Et aussi un autre détail, c'est que je vais aussi me débrouiller pour tourner en semaine aussi, parce que visiblement, tourner uniquement le week-end, ça me pose problème depuis que j'ai repris mes lives. Ça me pose problème, puisque pendant que j'ai du temps disponible à faire mes lives, j'ai pas de temps disponible pour faire mes vidéos. Et il faudra peut-être que je sois amené aussi à faire à tourner des épisodes le week-end en journée. Et j'aime pas trop rester chez moi en journée. Pour ça aussi, j'aime pas rester chez moi en journée. Bref, du coup, on va se lancer tout de suite. Ça va être un épisode qui normalement ne devrait pas être long, justement, puisque c'est uniquement la quête de la quatrième bouteille. Ça va être rapide normalement. Ça va être rapide. Donc, du coup, comme on peut le constater, j'ai l'épée Bigoron et que Link ne peut tenir ce genre d'épée que à deux mains. Du coup, il ne peut pas utiliser son bouclier. Bref, on va avancer tout de suite. Un épisode que j'appréhende. Parce que je ne sais plus forcément très bien où se trouvent les spectres, même si ça devrait être gérable sans trop de difficultés, j'espère. Hein. On verra bien. Et pour ce faire, il va falloir appeler Epona. Oui, la sortie, c'est ici. On se trouve de nuit, il va falloir se mettre de jour. Même si la particularité des spectres pour la quatrième bouteille, c'est qu'il y en a de jour et de nuit. Et ceux qui sont de jour n'apparaissent pas de nuit. C'est ça le problème aussi. Donc du coup, on va se mettre de jour pour commencer. Alors, les champs, alors ça c'est le prix de la lumière. Moi ce que je veux c'est... les champs sont séparés en deux parties là, c'est ça qui est bien sur la 3DS. C'est que la partie de gauche, vous avez les six champs de base. Vous avez la berceuse de Zelda, le champ du soleil, le champ du temps, le champ d'Epona, le champ de Saria et le champ des tempêtes. Et à droite, se trouvent les champs avancés. Le menuet des bois, le requiem des esprits, le nocturne de l'ombre, le boléro du feu, la sérénade de l'eau et puis le prélude de la lumière, c'est ça qui est bien. C'est séparé en deux. Résultat, vous pouvez pas vous mélanger. Alors nous, ce qu'on veut, c'est le chant du soleil, justement. Alors on va le faire. Voilà. Et c'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez garder la portée devant vous pendant que vous êtes en train de faire les chants. Du coup, ouais. Ce qui serait mieux, à mon avis, est que je regarde l'écran de mon PC portable, puisque si je regarde l'écran de ma 3DS, je baisse trop ma tête. Et du coup, ma caméra est légèrement plus haute. Et du coup, c'est encore plus chelou. Voilà. Encore plus chelou. Bref, on va appeler Epona. Alors ça, le chant pour Epona, c'est... Epona. Le chant d'Epona. Bim, bim, bim.
Alors, le début de la galère commence. Epona, qu'est-ce que tu fais? T'as perdu la tête. Alors, l'arc est sorti ou non? On dirait que non. Il faut que je sorte l'arc moi-même comme un grand. Parce qu'il faut l'arc, hein. Je dis tout de suite, il faut l'arc. Alors, l'arc est déjà équipé. Mais je peux pas. Ah tiens, premier truc bizarre. Non, c'est bon, c'est équipé, mais je peux pas... Parce que lorsqu'on... Je vais montrer cette particularité du gameplay. On descend des Pona. On va déséquiper l'arc, on va mettre, je sais pas... On va mettre à la place, tiens... Le marteau des géants, là, hein. Qu'il a quel nom déjà celui-là? La masse des titans, voilà. Et là du coup, j'ai plus l'arc. Mais si je monte sur Epona, je peux avoir l'arc. Et ça c'est cool. Donc du coup, le problème justement, c'est les spectres. Et au passage, j'ai quoi dans les bouteilles? J'ai rien. Donc c'est cool. On va chercher les spectres. Et ça va être chiant. Alors, on va commencer par quel sens, dans quel sens? Peu importe, il faut chercher et trouver. Et c'est relou. Bon là, c'est juste pour m'indiquer... Alors quand il y a ça, généralement, c'est qu'il y a une grotte. Eh ben tiens, parce que je crois qu'il y a un quart de cœur quelque part aussi dans une grotte, hein. Et je crois pas que ce soit dans celle-ci. On va voir un peu. Du coup, je vais peut-être faire ça un peu. Hop, alors, toi je te vire. C'est très étonnant. C'est assez étonnant qu'il n'y ait rien. Hein. J'ai buté un ennemi, mais... Ah, mais non, c'était pour un scutula. Je crois que c'était pour un scutula. Et qu'on a récupéré. Alors, c'est où que je me retrouve, là? C'est où que je me retrouve? Ouais, mais on a compris, hein. Je me retrouve là et... Oui, c'est ça, c'était pour un scutula, c'est la grotte du scutula, donc ça a été fait. Et là, vous voyez que la nuit tombe vite. Non, il n'y a aucun spectre ici, c'est vrai. Aucun. Okay. On va se remettre de jour. Et pour se remettre de jour, faut descendre des Pona. Et ça, c'est méga relou. Ça va être un peu chiant, hein, je vous le dis. Parce que les spectres, la particularité, c'est qu'il faut vraiment être dessus pour qu'ils apparaissent. On va pas courir. Faut être dessus, hein. Alors, je crois me rappeler qu'il y en a un proche du panneau. Voilà. Alors, heureusement qu'il y a la visée. Alors, il y a la visée, hein, mais là, faut que je me remette un peu en jambe avec avec les spectres, parce que là, ça va, les spectres. Ça va pas être simple, hein. Ça va pas être simple. Ouais, mais dès qu'il y a le mur, ils disparaissent, hein, donc... C'est pour ça que il vaut mieux le faire dans notre sens. Ça va être le premier spectre. Bon, déjà, bonne nouvelle, ils sont au même endroit. Donc, pas d'ennui. On va bien attendre d'être comme il faut avant d'utiliser l'arc, hein.
J'ai dit... Ah, ça, c'est relou. Donc... On va bien le diriger dans le bon sens, parce qu'on peut plus ou moins les diriger, les spectres. Alors, du coup, je suis comme ça. Je l'ai eu, hein. Deux coups suffisent. Alors du coup, mais Navy, tu commences à m'énerver, utilise le gant, ta gueule. Ta gueule, Navy. Alors, on sort une bouteille. Ça va être notre premier spectre. Alors, vous avez vaincu un esprit, ça j'ai remarqué. Oui. Ah, je suis pas obligé de sortir le flacon, c'est vrai. Je peux très bien... Alors, si je fais ça... Ceci n'a pas l'air de... De servir à grand chose. Normal. Donc, on va déséquiper la bouteille parce que ça sert à rien, on n'a pas besoin de bouteille. Ensuite, deuxième spectre. De toute façon, je pense qu'on va ratisser carrément la région d'Hyrule. Hein. On va ratisser large, hein. Très très large. On va ratisser à mort. Alors ensuite. Ensuite, deuxième spectre. Je crois savoir où est-ce qu'il se trouve. Le deuxième spectre, il y en a un. Le long de cet endroit, là, ici, là. Enfin, normalement, hein. Oh, je vais adorer, hein. Je vous le dis, je vais aimer, hein, c'est violent. Je suis vraiment obligé de chercher dans tous les sens. Il est là, ok. Mais c'est pas du tout dans le bon sens qu'il apparaît là. Il est gentil le spectre, hein, mais alors là par contre... Il faut que j'arrive à le faire apparaître dans l'autre sens. On va longer ici et voyons. Faut que je regarde où il apparaît exactement. Où apparaît-il? Ok, d'accord. Ça va être chiant. Très chiant. Pour le faire apparaître, faut vraiment que je sache où il apparaît. Hein. C'est un truc de fou. Voilà. Je suis dégoûté. C'est incroyable ça. Touche-le. Touche-le. J'hallucine. Je ne touche même pas. J'ai pas flèche infinie, hein, faut pas arriver. J'ai 23 flèches. Et on va voir que de nuit... il va pas apparaître, hein. Il va pas apparaître du tout. Ah, c'est impressionnant, hein. À chaque fois, mais vous avez vu, hein,
Je crois plusieurs fois le toucher, non. Non, je le touche pas. C'est mortel. Bon, ça, je vous dis que cette quête, j'avais pas hâte de la faire. Hein. Non, pas du tout. J'étais tellement pas pressé de la faire, celle-là, que... Mais on va la faire. De toute façon, on est dessus, donc autant la faire. Alors, même strat que tout à l'heure. Et là, vous allez voir, il va pas apparaître, hein, parce qu'on est de nuit. À moins qu'il apparaisse, et ça me rassurerait. Ah, peut-être. Voilà. Non, mais genre. Alors, deuxième spectre. Okay. Oui, je veux le garder. Alors, à savoir que là, je peux encore en prendre une autre. Mais par la suite, après, faudra le vendre. Enfin, faudra les vendre. Alors maintenant que ça c'est fait, il y en a une autre. Le long du passage ici, je crois, ou proche du ranch. Proche du ranch, on va voir. C'est quand même incroyable que je réussisse une fois sur deux, hein. C'est incroyable, hein. Je vais gentiment faire le tour jusqu'à être près de lui. Faut vraiment que j'arrive à gérer le mettre bien en face de moi. Tant qu'il est près de nous, ça va aller. C'est incroyable! Ah, c'est mortel. C'est vraiment incroyable, ça. C'est... Voilà, c'est la quête qui me fait rager tout le temps. Hein. Et voilà. Alors, on recommence. Demi-tour. C'est la quête qui me fait rager. Ça veut pas, ça veut pas. Hein. Alors, tu vas pas m'avoir deux fois d'affilée. Mais, je vous jure, ils ont une hitbox. Autant les ennemis peuvent avoir des hitbox très, très permissifs, mais alors eux. Mais je suis dessus! Comment je peux mieux faire? Je suis dessus, là. Ah! C'est énervant. Je suis dessus. Je suis sur le spectre. La flèche touche le spectre, là. Je sais pas non plus. Incroyable, quand même. Bon, du coup, on va tester une fois de plus que c'est un spectre qui apparaissait de jour. Alors, on va voir si j'ai tort ou si j'ai raison. Hein. C'est incroyable, avec ça, je gaspille plein de flèches. J'en ai plus que 7. Il va falloir que j'en achète. C'est incroyable. La quête, elle me fait rager, là. Non, c'est bon. Je suis rassuré. Ça m'énerve, la fin. Regarde, je suis dessus là. C'est mortel. C'est incroyable. Alors, on recommence encore et encore. Purée, quoi. Purée. Faut que j'arrive à passer la barrière, comme ça je suis pas emmerdé. Voilà. Alors toi, je vais pas te... Voilà,
bordel, sérieusement, quoi. Pour y arriver à tous les coups, faut être sur lui, quoi, limite. Pourtant, de loin, on peut les viser aussi, hein. Alors, oui. Voilà pour ça. Du coup, on va aller voir le marchand d'âmes qui se trouve à la place du marché. J'ai plus le nom exact. À l'entrée de la place du marché. Je sais plus combien de spectres il y a en tout. Je crois qu'il y en a 10. 10 spectres en tout. On verra. Donc là, ça en fait 3 pour l'instant. J'ai pas le choix que d'acheter des flèches. Alors, voyons un peu. Qu'est-ce qu'il a à dire? Hé, jeune homme plein de vie, quoi de neuf? As-tu un esprit ou une âme à me vendre? Tu as 0 point. Reviens vite me voir. Regarde. J'ai ça de vendre. Oh, tu as porté un fantôme. Magnifique, c'est une âme. Je t'en donne 50 rubis. 100 points. Obtiens 1000 points. Non, c'est bien ce que je dis, 10. Et tu ne seras pas déçu. Je n'en doute pas une seconde. Bon, par contre, ils vendent pas ça très cher. Hein. Et par contre, moi, ce que je vais faire, c'est remettre la Master Sword plutôt. Voilà. C'est pas que ce soit super nécessaire, mais bon. Alors du coup, vu que j'ai carrément presque plus de flèches, je vais pas trop avoir le choix que d'acheter des flèches. Et ça, ça s'achète... où déjà? Ça s'achète au village Cocorico. Du coup, il va y avoir une petite ellipse. Bon, retour à nos moutons. Et au passage, j'avais oublié de redonner le troisième spectre, puisque c'est pas deux spectres que j'allais récupérer, mais 3. Donc, plutôt que de gaspiller du temps, parce que concrètement, lorsqu'on récupère un spectre et qu'on a plus de bouteilles vides, c'est ballot. Donc, on n'a plus qu'à recommencer. Pour retuer le même spectre, hein, je dis tout de suite. Hein. Donc voilà. Alors du coup, troisième bouteille. Et voilà donc, maintenant effectivement, on peut aller à la pêche au spectre suivant. Et là, je suis rassuré dans un sens, puisque les spectres apparaissent de jour comme de nuit, en fait. Donc, je sais pas pourquoi j'ai cru, en fait, qu'il y avait des spectres le jour et d'autres la nuit. Hein. Je sais pas. C'est tant mieux. Je préfère ça. Alors, du coup, on avait fait celui-là. On avait fait celui près du panneau. On avait fait celui près de l'arbre, là-bas. Hop, hop, hop. Il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas ici. Oui, on avait fait celui près de l'arbre là-bas, donc ça c'est bon, il n'y a pas de problème. Du coup, on va aller près de l'entrée de la vallée Gerudo, parce que là, il y en a 2, je crois. 2. Carrément 2. Alors cherchons un peu. Faut vraiment être... Ah. Alors... On va bien attendre le moment exact. Voilà, 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 c'est nickel. Hein, bon, ça va, ça se passe bien pour l'instant. Hein. Oui, le garder. Alors, il y en a un deuxième. Hein.
Faut se rappeler. Alors là, je suis où? Ok, d'accord. On va se remettre près de... En plus, c'est même pas aux directions de la vallée Gerudo que je suis, en fait, hein. Alors, pas du tout. Ah, si, 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 si. C'est bon. J'ai rien dit. Alors, du coup. Le second spectre. Et en plus, celui que j'ai récupéré, c'est celui qui, c'est l'un des spectres qui n'est pas facile du tout à récup, parce qu'il a tendance à se diriger vers le mur. Et lorsqu'il touche le mur, ils disparaissent. Donc, alors le suivant. Le suivant se trouve tout le long ici, quelque part. Voilà, ici. Ah, voilà, c'est lui, en fait, c'est lui. C'est lui qui échoue à récup. C'est lui. Parce que du coup, dans les deux cas, il a tendance à se mettre contre le mur. Dans les deux cas. Voilà, vous voyez, dans les deux cas, hein, c'est violent. Et l'appareil disparaît tout de suite. Il faut réussir à le mettre comme il faut. Ou alors, voilà, ici, comme ça. Bon, je me suis fait avoir une fois de plus, mais maintenant j'ai compris le truc, donc ça devrait aller. Et ça me fait combien de... Ça me fera... le deuxième spectre par la suite. Ouais, dans ce sens-là, c'est plus dur, apparemment. Faut suivre le chemin et tout va bien. Ça aurait pu marcher si j'avais pas cogné contre le mur. On va attendre. Non, non, tu vas pas vers le mur. Pas question. Dès qu'il tourne, en fait, c'est mort, hein. Pourquoi Epona ne passe pas ce genre de truc? C'est ridicule. C'est ridicule complètement. On est bien parti pour tous ces avoirs, mais bon, là... Ouais, dans ce sens-là, c'est un peu plus complexe. Il y a deux murs en fait. Alors que de l'autre côté, il n'y en a qu'un seul.
faut vraiment... C'est le chemin qu'il faut suivre. Et dès qu'elle a monté, je peux pas trop... J'ai eu. Faut essayer d'anticiper un petit peu à l'avance, mais bon, c'est chiant. C'est chiant parce que vous croyez l'avoir et non. Sérieusement, quoi. Bon, ensuite. Le sixième spectre. Ce qui a été sympa à la rigueur, c'est que j'ai une carte que j'aurais pu trouver sur internet qui montre spécifiquement l'emplacement des spectres. Comme ça, je perdrais pas de temps. J'aurais dû faire ça, tiens, ça se trouve. Enfin, ça doit se trouver. L'emplacement exact des spectres. Ça aurait été bien. Parce que là, je suis obligé de jouer avec ma mémoire pour me rappeler, en fait... Où est-ce qu'il y en a? Alors ensuite... Ensuite, où est-ce qu'il y en a déjà? Je sais qu'il y en a un près d'un rocher. Près du rocher là-bas. Vous m'avez pas vu, mais j'ai carrément envoyé ma 3DS valdinguer plus loin, quoi. Énorme. Vous avez vaincu un esprit, oui. Au prix fort. Alors du coup, ça nous fait... ouais, ben, 3 spectres encore, résultat. On va tout de suite aller vendre nos spectres et puis retourner à cet endroit-là, parce qu'il y en a un deuxième dans les environs. Donc ce qui nous fait en tout 6 spectres pour l'instant. Alors, du coup, on avait fait près de ce rocher. Ensuite, il y en a près d'un autre arbre. Je sais plus lequel. Je crois que c'est celui-là. Oui! Ce qui fait notre septième. Ensuite, là où il y en a encore, c'est où? Proche de la... Du lac Ilia, je crois. Ah! Le voilà. Alors, où est-ce qu'il était? Où est-ce qu'il était? À quel emplacement précis? On avait un près de l'arbre et un ici. Oui, voilà. Donc on va bien. Oh, pop, pop, pop.
Ouais, bah dans l'autre sens, ça va être plus facile, je pense. Près du rocher, hein. C'est pas près du rocher, c'est près de... Ah. On avait fait cet arbre-là. Ah, c'est étonnant, vous voyez, hein, ils sont vraiment... Faut être dessus pour qu'ils apparaissent. Faut être carrément dessus. On va bien le faire tourner. Je l'aurai pas, on va recommencer. C'est chiant. Ouais, dans ce sens-là, on peut pas vraiment le diriger, hein. C'est forcément dans l'autre sens qu'on l'a le plus facilement. Voilà, moi je commence à prendre l'habitude, ça va. Alors voilà pour ça. Alors maintenant, est-ce qu'il y en a ici encore? Je sais plus. Ah, j'ai deux spectres, donc ça fait mon huitième spectre que je récupère. Kéolus, ce qu'il faut vraiment chercher partout. Faut bien regarder. Ah, ça, c'est un épisode où je suis assez concentré pour le coup. Je parle pas des masses parce que le problème, c'est que... Comme vous pouvez le voir, en fait, les spectres, ils apparaissent vraiment quand on est dessus. Et il y a une phase où il faut bien les diriger avant de pouvoir les toucher. Pour les amener là où on veut. Alors du coup, je pense que c'est bon ici. Il n'y en aura pas d'autres. Pas ici en tout cas. Alors ensuite, le prochain spectre où il y en a un, c'est de l'autre côté de la plaine d'Hyrule. Putain, pourquoi? Pourquoi Epona ne saute pas des fois? Hmm? On recommence. Là, Epona, tu sautes. Ah non. Quand c'est en pente comme ça, elle veut pas. Ah, pas de problème. Aucun problème. Alors, du coup, je crois me rappeler qu'il y en a un le long de cette petite barrière là, ici. Je crois, hein. On va vérifier.
Ou alors c'est un spectre que j'avais récupéré plus tard, mais qui se collait contre la barrière, là, ici. Enfin, contre le petit muret. Donc ce rocher, ça avait été fait. On va faire le tour du ranch un peu là parce que on sait pas. Alors le spectre ici avait été récup. Pas de problème. Si je fais bien le tour du ranch là, comme ça. Parce que vous aussi, le fait que ce soit en mode miroir, ça me perturbe un peu. Bon là, Ipona, elle a voulu sauter, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Alors, du coup... On avait dit le tour du ranch, hein. Mais j'ai déjà fait le tour du ranch, donc c'est cool. Il n'y a rien de plus. Alors là où je voulais aller, c'était un endroit proche des auras, justement. Il y a un spectre à cet endroit-là. Et pour le faire apparaître, celui-là, Ah mais c'est chiant là parce que du coup, il est proche du ponton là-bas là, mais. Ouais, il apparaît pas, faut vraiment que je sois. Ce qui me tue en soi-même, c'est que il faut aller sur le ponton et de là, faut lui tirer dessus. Et ah bah, mais vous avez vu, hein, je peux pas. Il a disparu tout de suite. Donc en fait, pour y arriver, ouais, ben bah, c'est pas. Ah yes! Voilà, c'est comme ça que j'avais fait en fait. Et comme ça. Voilà. Je me rappelle. Parce que dans ce sens-là, on peut pas. Hein, c'est pas possible. Regardez. Il apparaît pour disparaître tout de suite. Vous l'avez pas vu, mais vous l'avez peut-être entendu. Par contre, si je me mets dans l'autre sens, que je colle. Voilà. Et là, c'est faisable. Non, tu vas pas te coller contre le mur, pas moyen. Putain, c'est dégueulasse ça. C'est dégueulasse. On recommence, y a pas le choix. Oh! Alors, je suis bien là. Voilà. On recommence. Il
Il me refait le coup encore là. Ça m'énerve, ça, sérieux. C'est énervant, ça, ce genre de truc. Il a parlé dans l'autre sens, en fait, c'est énorme. Ah non, c'est bon. Alors, tu vas pas trop raser le mur, mon grand? Non, non, on va attendre. Je connais la chanson, on va attendre. Allez, saute, Epona. Voilà. Eh bien. Alors j'ai vaincu un esprit. Vous l'attrapez. Donc maintenant ça me fait ouais ben 3 spectres une fois de plus. Donc on va les revendre. Bon, du coup on se retrouve. Parce que chose étrange. Chose étrange. J'ai réussi à trouver le spectre, mais on se souvient que j'avais longé un petit muret au début, parce que je me disais, ah, je me rappelle qu'il y a un spectre au niveau du petit muret, mais finalement, il apparaissait pas, donc je me disais, ah non, c'est peut-être un spectre que il avait fini par se coller contre le petit muret, et voilà, mais non, j'en avais bien contre le petit muret. Alors, pour se rappeler, le château est là-bas. On se souvient que le dernier spectre que j'avais récupéré, c'était ici. J'avais un petit peu galéré à le trouver. Hein. On se souvient parce que j'étais là, il apparaissait au fond, il disparaissait tout de suite. Et il fallait tout de suite que je mette dans l'autre sens, comme ça, pour le faire apparaître. Mais il y en a effectivement un près du petit muret du fond. Mais j'ai pas compris. Alors, j'ai pas assez bien longé, peut-être. Si je me colle contre le petit muret et que je mets comme ça. Voilà, il est apparu. Mais peut-être qu'il était apparu, mais j'avais pas bien fait gaffe en fait. Donc on va bien le diriger. Oh, il a eu le temps de disparaître quand même. Mais au moins on sait où il est. Donc il n'y a pas de problème. Faut que j'arrive à le toucher 2 fois d'affilée, tout de suite. Mais j'en reviens pas d'avoir du mal à les choper, hein. C'est un truc de fou. J'en reviens pas. Limite, faut que je cours tout de suite. Voilà. Purée. Le plus dur, en fait, c'est de les avoir pile devant. Comme ça, quand vous les avez pile devant vous, ils vont ni à droite ni à gauche. Mais quand ils vont à droite et à gauche, faut jouer avec. Putain, mais des fois, vous me voyez pas, mais je l'envoie carrément, ma 3DS, là, je l'envoie carrément tellement ça m'énerve, quoi. Allez. Ben voilà, c'est fait. C'est pour ça que vous comprenez maintenant pourquoi c'est une quête que j'étais vraiment pas pressé de la faire. Alors, pas du tout. Bon bah au moins c'est fait, résultat, on va se retrouver devant le marchand d'armes. D'âmes plutôt. Alors on va lui donner le dernier spectre. Et comme ça on aura notre bouteille et ça va être bien. Obtiens, alors du coup, waouh, tu as obtenu 1000 points. Tu es un véritable chasseur de fantômes. Il est content, hein? Il est content, le monsieur? Oui. Grâce à toi, mon stock d'âmes est plein. C'est donc la dernière fois que je t'en achète une. Je sais, nous avions passé un pacte, tu as eu les 1000, et je t'en félicite, ouais, mais il n'y a pas que ça. Alors prends donc ceci, mon ami. Voilà. C'est fait. Comme ça, on est content, on est débarrassé de cette quête. Après, il nous restera une autre quête bien chiante.
à compléter hein, celle des scutulas, mais on verra, on verra, on verra. Franchement, on verra si je la compléterai, celle-là. Donc, du coup, c'est fait, c'est magnifique. Du coup, je vais tâcher de monter ça très rapidement pour que demain, dimanche, ce soit posté. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai, on s'est bien concentré sur cette quête que j'appréhendais pas mal. Et du coup, dans le prochain épisode, il est fort probable qu'on fasse à nouveau une quête annexe, que la suite de l'aventure principale ne se fasse pas tout de suite. Et oui, donc portez-vous bien et puis à la prochaine. Salut tout le monde!